Salut tout le monde, nous voilà encore avec plein de colis à ouvrir aujourd'hui. J'ai trop hâte. Bon bah du coup on va commencer. Hein. C'est parti. J'ai besoin de mes ciseaux. Go go go. On va commencer par les plus petits qui sont cachés derrière. C'est parti. Alors let's go. J'ai hâte de voir. Attendez, il y a encore du carton là. Hop, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour acheter ça. Ah yeah. Cool. C'est un jeu Bomberman sur la Nintendo Advance. Ah, j'ai trop hâte de le tester. Je pense que ça serait bien, je le teste via ma GameCube là, parce que j'ai le support Game Boy Advance dessus. Ouais, pas mal, mais elle est pas branchée. Pas de problème. Alors, suivant. Donc j'en ai combien en tout là? Donc j'en ai ouvert un, il m'en reste 1, 2, 3, 4 et 5. Voyons, voyons. Qu'y a-t-il dedans? J'ai vu un paquet orange. Oups, je déchire comme un... De toute façon, ça va finir à la poubelle, hein, le reste. Les emballages. Hop. Rayman 2. Yes. Je sais plus si j'y avais déjà joué à celui-là, je pense pas, hein. C'était le 1 je crois, le 2 je sais plus, quand j'étais petit quoi, ça date, je sais plus si j'avais le 2 à l'époque, je pense pas, hein. J'avais le 1, donc il est en très bon état, alors il y a juste le CD qui se balade dedans, il est pas rayé, il y a juste des petites taches de doigts, hein. Normal c'est d'occasion, hein, tout ce que j'ai pris, hop, il est en très bon état, je suis content, satisfait. Ah, j'ai plein de petits bidules comme ça qui sert à rien dedans là, c'est pour protéger. C'est pas un truc fragile, hein, c'est juste un jeu vidéo en boîte qui est un jeu Bomberman Oddball sur PlayStation 2. Yeah! Et donc derrière, ça se présente comme ça. Alors vous voyez dessus il y a Bomberman Tennis, Bomberman Baseball et Bomberman Golf. Et il y a aussi le Bomberman classique avec les bombes qui explosent. Ça c'est ce que je préfère avec les bombes qui explosent. Normal. Alors les autres du coup, bah j'ai jamais eu ce jeu là, hein. C'est une première. Donc bah, maintenant que j'ai la PlayStation 2, bah on va le tester, hein. Un de ces quatre. Voilà, dedans il est complet. Nickel. Nickel, nickel. Voilà, c'est que des petits trucs à acheter. Hop. Hop. C'est des jeux PS1. Hein. Ouais. Donc, je vais vous les faire voir un par un. Alors, celui-là. Croc. Je sais plus si j'avais joué à ce jeu là, en tout cas moi j'aime bien les jeux de plateforme tout ça, donc voilà. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Oui. Nickel, on a le nanotis, tout et tout. Hâte de tester tout ça. Et donc j'ai aussi Donald. Il y a un Crash Bandicoot que j'avais pas sur la PS1 et que j'aurais dû prendre, qui était dans l'eau, mais je l'ai pas pris. Je regrette. Ça m'aurait juste fait quand même quoi, 10€ de plus, parce que c'était 10€ le jeu. 10€ le jeu, il me semble. Et la livraison était à 1€ parce que c'est les périodes de fin d'année.
Donc j'en ai profité en max. Donc voilà, ça s'est complet aussi. Et voilà, dedans, commencer. Voilà. Alors, bah, trop hâte de le découvrir aussi parce que bah, du coup, je le connais pas, j'ai jamais joué. Je me lance beaucoup dans la découverte des jeux vidéo en ce moment parce que c'est beau. J'ai un Mickey. Hop, c'est un jeu aussi d'aventure là. Aventure plateforme à peu près, ouais, c'est un peu des deux. Donc pareil, c'est dans mes goûts tout ça. J'adore. J'ai hâte de tester tout ça. Je suis sûr que, je sais pas pourquoi, je suis sûr que je vais tous les aimer. Voilà, donc il est complet avec un outil, c'est tout. Alors maintenant il nous reste les plus gros. Alors j'arrive même pas à me rappeler ce que c'est. Ah si, il y en a un, je me rappelle ce que c'est, ça devait être dans l'autre, pas du gros là. Mais celui-là. Le journaux, on s'en fout. Bon, franchement, c'est surprotégé. Hein. C'est pour ce que c'est juste un jeu en boîte, là aussi. C'est un Crash Bandicoot. Sur PSP. Alors, ouais. J'avais pas un très bon état. Hein. Voilà. Comment ça se présente. Hâte de tester tout ça. Je crois que j'ai presque tous les Crash Bandicoot sur PSP. Je me demande si je les ai pas tous de poubelle. On arrive au dernier colis. Yeah. J'ai déjà rendu au dernier. Ah bah, c'est carrément démonté le jeu. Tant que c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est bon. Des gens ils surprotègent leur colis et des gens ils protègent pas assez. Un petit peu de tout. Après ça va, c'est pas de la vaisselle ni rien. Donc... C'est bon. Il y a encore plein de journaux là. Alors, en fait, c'est bien de mettre des journaux, mais en fait, vous voyez, ils ont aussi mis plein de bulles, un paquet de bulles. Donc c'est un petit peu surprotégé. Mais bon, ça va juste remplir ma poubelle. Hop. Le carton, là, je peux le garder. Hop. Je l'ai mis un jeu bientôt. Et j'aurai un meilleur cadre pour filmer mes vidéos. Parce que là, c'est un peu tiré par les oreilles. Alors, hop, j'ouvre ça. Je pense pas que vous pouvez voir ce que c'est d'ici. Moi, je le vois. Alors, on va y aller un par un parce que là, il y en a pas mal. Alors, commençons. Donc, c'est du Nintendo 64. Et c'est que du Japon, j'en ai pris. Donc là, c'est du Mario. Donc, je ne saurais pas trop... Ah, si, c'est écrit au-dessus, remarque. Mario Kart 64 sur Nintendo 64. J'ai la version VF aussi, là c'est la version Jap. Donc je pense que c'est le même Mario Kart que la version française quoi. De toute façon c'était le lot vendu donc voilà. J'ai un. Oui lui aussi c'est pareil, je l'ai en version française. Là c'est la version Jap. C'est un Mario Nintendo 64 également. Super Mario 64. J'ai. Il y a beaucoup de Mario. Hein. J'ai aussi. Alors, c'est écrit en anglais juste en dessous, Pocket Monster Stadium. Donc pareil, j'ai la VF, là c'est la version Jap. J'ai Bomberman Hero, version Jap. J'adore Bomberman, j'en avais aucun plus Bomberman sur la Nintendo 64. Donc ça tombe bien. Donc hop, vas-y, il me reste encore. Un autre Bomberman.
Par contre, je ne saurais vraiment pas vous le traduire. Donc, c'est un autre Bomberman. Jap, mais c'est pas le même que l'autre. Voilà. Donc, il n'y avait pas beaucoup de jeux sur cette console-là. Bah, voilà, là, ça augmente ma petite collection. Donc, en plein. Alors, attendez, j'ai pas lu ce que c'était. Ah, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'arrive pas du tout à savoir ce que c'est en fait ce jeu. Peut-être qu'il y en a qui vont connaître. Pas du tout. C'est un jeu avec des robots, on dirait. Ensuite, j'ai SimCity 2000. J'ai jamais joué encore aux Sims. Ce serait une première. Une version Jap aussi. Non, c'est anglais. Ah si, non, c'est bien version Jap aussi. Il y a qui est version JPN. Donc JPN, c'est dire Japon, hein. J'imagine. C'est écrit en anglais dessus, donc du coup ça m'étonnait que c'était du Japon. Alors, il m'en reste encore trois. Et moi je les prends à l'envers, donc je sais, je les découvre en même temps que vous, comme ça. Là j'ai un DK64. Ça c'est pareil, c'est super bien comme jeu. Je l'ai sur la Wii, je l'ai un petit peu sur plusieurs supports. Sur la Switch aussi. Voilà, à tester. J'ai jamais encore testé ça, mais ça m'a l'air super bien. Ça va être temps de s'y mettre. Mais il y en a tellement de jeux là. Alors, j'ai un Mario Tennis version Jap. Donc, je l'avais pas du tout non plus en version française. Donc, voilà, c'est une première. Et le dernier, je me demande ce que c'est. Un Star Wars! Haha, Félix! Bon, j'ai un copain qui adore Star Wars. J'ai Star Wars sur la Nintendo 64. Voilà. Shadow of the Empire. Bon, faut savoir que Félix, il a pas la Nintendo 64, mais il a la Xbox. Je sais pas si c'est laquelle Xbox, mais la Xbox. En tout cas, c'est pas la dernière qui est sortie, ça, c'est sûr. C'est pas la Xbox X. C'est ça, hein, Series X, c'est ça. Ça doit être la 360 ou l'autre, là, je sais plus. Pas très Xbox, peut-être que je m'y mette. Bon bah voilà les gars, j'ai tout déballé. J'ai plus qu'à ranger le merdier. Donc voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. Unboxing spécial jeu rétro, hein, qu'on va bientôt tester. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.